Salut à tous les amis, c'est Fixy, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption 2 dans la ville de Vinehorn pour tout simplement visiter cette embarcation qui est totalement détruite. Je ne vous en dis pas plus, on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc l'embarcation en question est juste ici les amis, comme vous avez pu le voir sur la carte, c'est quand même une grosse embarcation. Malheureusement elle est totalement délabrée, totalement pourrie si je puis dire. Et on va tout simplement aller visiter l'intérieur de cette épave. Ici ça devait être la cabine où tout simplement le capitaine tenait la barre. Voilà, avec toute l'installation électrique et tout ça, les moteurs et tout le tralala. Et derrière, on peut retrouver le moteur en ruine, malheureusement. Beau moteur, hein. Franchement, très 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 bien fait. Voilà, voilà. Totalement en ruine, totalement rouillé. C'est plus utilisable, malheureusement. Et franchement, je trouve que c'est très très sympa d'avoir mis des bateaux comme ça, des bateaux échoués, abandonnés sur Red Dead, dans les petits ports et tout. Ça donne vraiment un charme à la ville. Qui est franchement sympatoche. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a réellement pas grand chose, hein, malheureusement, à découvrir ni à visiter. Parce que tout est ouvert, donc on voit tout d'un coup. De plus, il ne sait absolument pas nager, notre personnage. Donc c'est vraiment pas cool. Parce que du coup, tu peux crever comme une merde, quoi. Donc c'est pas terrible. Voilà. Regardez, là, il est déjà en PLS, là, pratiquement. Donc voilà, on a vite fait le tour du bateau, mais franchement, c'est vraiment super sympa. Et ça mérite une vidéo, je pense. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. À vous abonner, à commenter et à partager, cela me fera extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Fixy. Allez, ciao.